Ok, c'est bon, ça enregistre. Amis du jour et du soir, bien le bonjour et bienvenue dans cette, je crois, troisième VOD, c'est ça, troisième de The Witness. On était parti faire de l'acrobranche hein, et on avait bien morflé. On va continuer, hein, parce qu'on n'a pas assez souffert encore et apparemment, de ce que j'ai compris, on n'a pas vu encore les énigmes les plus difficiles. Ça promet. Ça promet. Donc installez-vous confortablement préparez la boîte d'aspirine, hein, évidemment, et c'est parti, profitez de la VOD. On s'était arrêté à lui, parce que je voulais aller tout droit. Je sais qu'il faut que j'aille à droite, là, ce qui va nous permettre d'activer le timer, machin, il va falloir qu'on se rejoigne avec la plateforme là-bas. Mais je voulais aller voir ce qu'il y avait tout droit d'abord. Donc... C'était quoi déjà? Ah oui. Ah oui, attends. C'est ça. Il faut séparer les carrés blancs des carrés noirs. Mais il faut aussi que les soleils soient séparés. Il y a un délire comme ça. Je me souviens plus beaucoup. Il y avait un truc genre. Voilà, c'est ça. C'est ça, les deux soleils là, ils peuvent pas être ensemble. Il y avait un truc dans ce genre-là. Sauf que là, comme ça, j'étais bloqué. Ha. Donc, j'espère que je vais pas passer 2 heures sur cette énigme, parce que sinon, ça va être chiant. Bien évidemment, rappelez-vous, si vous connaissez le. Si vous connaissez le jeu, merci de ne point spoiler, hein. Si vous ne le connaissez pas, évidemment, on peut réfléchir ensemble, c'est pas un souci. Est-ce qu'un truc comme ça... Non. Mais il y a de l'idée. Il y a potentiellement de l'idée, comme Johnny. Johnny, il y a de l'idée. Ouais. Non, merde. Attends, j'avais fait quoi là? Ah si, j'étais parti sur un truc comme ça. Et si je faisais quelque chose comme ça, là? Les soleils vont par deux, pas par un. Oui, mais ils peuvent être avec un... De ce que je me souviens, ils peuvent être avec n'importe quelle couleur. Je crois, ils peuvent être là, les deux noirs avec les blancs, mais là, je peux mettre un soleil noir avec un carré noir, il me semble. Je crois que c'était un truc comme ça. Je l'ai dit bizarrement. Oui, sûrement. Sûrement que je l'ai dit bizarrement. Hop. Et si j'essaye un truc comme ça? Ben non, 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 ça va pas marcher, ça. Ça va pas marcher parce que les carrés blancs et les carrés noirs ne vont pas être séparés. Et si j'essaye... Non. Non. Ben non. Non. Ah putain. Je comprends pourquoi il m'avait bien pris la tête. Tu débunkes les fake news. Attention, attention. Crystal est au taquet. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc chelou à faire? Ben non. Et si j'essayais d'avoir... Ben non, ça va pas. Non, ça va pas marcher comme ça. Tac. Ça, je l'ai déjà fait, c'est pas bon. Salut Dinarco! Qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye de résoudre cette énigme. J'essaye d'aller tout droit. J'étais bloqué dessus la dernière fois. Et je suis toujours bloqué dessus maintenant. Donc on fait ce qu'on peut. Ouais, ben non, ça c'est pas bon. Les contraintes, il faut séparer les carrés blancs des carrés noirs. Ils peuvent pas être, ils peuvent pas, tu vois, quand tu déplaces le machin, ils peuvent pas être compris dans les mêmes segments. Tu vois, là, si je fais ça, il va me dire, eh, c'est pas bon. Mais, il faut aussi que les soleils aillent par deux. Voilà.
qu'ils aillent par deux ou qu'ils soient un avec un truc de la même couleur. C'est-à-dire que là, imagine, si je sépare comme ça, là, il y a deux soleils noirs avec les carrés blancs. Ça passe. Par contre, de l'autre côté, j'ai deux soleils noirs avec deux carrés noirs, ça ne marche pas. Ça peut être, par exemple, un soleil noir avec un carré noir et l'autre soleil noir avec l'autre carré noir. Là, ça marchera. Mais voilà. Donc, tu vois, par exemple, si je fais ça, là, comme ça, là, il me dit, là, les deux soleils noirs, c'est pas bon parce que, bah, ils sont mélangés avec les carrés noirs, ça ne marche pas. Donc, voilà. Et si j'ai... Attends. Attends, est-ce qu'il n'y aurait pas... Un délire. Non, bah non, 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 non. Attends, attends. Ouh, attends, attends, attends. J'ai peut-être. Attends, 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 attends. Attends. Ah mais non, mais j'avais déjà essayé un truc comme ça. J'avais déjà essayé un truc comme ça et c'était pas bon. Hello, Enilia. Comment ça va? On est toujours bloqué sur la même énigme, hein. Ça n'a pas changé depuis le début. Ça va bien. Eh ben nous aussi, ça va bien, merci. Merci bien. Eh bien non, mais non, non, c'est pas bon non plus. Punaise, il est rude celui-là. Hein. Tu l'as trouvé la dernière fois. Ouais, je sais, vous étiez plusieurs à l'avoir trouvé. Et moi, je continue à galérer dessus. Là, ça, c'est pas bon. C'est pas par là. C'est pas ça. Aïe, 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 aïe. Il est rude, lui, hein. Et ça, c'est pas bon parce que là, il y a les deux soleils. Ah. Au pire, fais toutes les possibilités, tu dois en avoir qu'un millier. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je pourrais essayer. Et ça risque d'être long. Ça risque d'être assez long. Ça peut pas être ça. Ah non, mais il est hardcore celui-là. Il est assez hardcore, ce puzzle-là. Eh? Ah non! Ah! Et là? Et là? Et là, attends. Yes! Ah! Allez, on passe au suivant. Putain. Ouais, c'était... Ah là 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 là. Bon. Oh merde. Attends, fais voir. Est-ce que ça pourrait être un truc un peu pareil? Genre... Ah bah non. Ben non, évidemment, parce que là, ça marche pas. Hein? Sinon, c'est pas... C'est trop facile, sinon. Et si je fais un truc comme ça?
Bah voilà, tout simplement, pourquoi je me prends la tête? Maintenant. Oh là, attends, soleil blanc. Attends, fais voir un truc. Si je fais ça là, est-ce que. Pareil, les soleils, il faut qu'ils soient par deux. C'est ça. Et si. Non, c'est pas. Bah non, 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 bah non, non, non. Tac. Ah bah non. Bah non, 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 bah non. Le carré blanc, il peut pas être avec le carré noir, on a dit. Pop, pop, Est-ce que. Est-ce que les soleils blancs peuvent être avec les carrés noirs? Oui. Attends. Il y a de l'idée là. Coucou Morkeos. Salutations. Eh, on est pas mal sur un truc comme ça là. Bah voilà. Tout simplement. Ok, on est passé là. Ça nous emmène, je ne sais pas où. Comment ça va, mon cher Morkeos? Donc là, je ne peux rien y faire pour l'instant parce qu'il faut que je déclenche le timer qui est là-bas, je vous rappelle, hein, le joli timer qui est là. Mais on va aller. On peut passer là? Oui, mais ça ne sert à rien. T'as pas réussi à te lever ce matin. Ah, je comprends. Ouf, les flèches là. Ça, je l'ai pas eu encore. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais que si je l'ai pas vu. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est. Ok, je l'ai fait, mais je ne sais pas. Donc bah tant pis. Donc il y a vraiment rien. Ok. Alors. Pour éviter de se faire avoir. Je me souviens. Attends, est-ce qu'il y a d'autres sorties sur ces trucs-là ou pas? Non. Donc je me rappelle que si je résous juste lui, ça va déplacer toutes les plateformes sur le côté là-bas. Donc on va faire ça. On va voir. Donc là, sur lui, il faut. C'est. Attends. Non, bah non, non, ça c'est pas bon. Si on fait un truc comme ça. Voilà, ça c'est bon. Du coup, bim, ça replie tout. Et ça amène tout là-bas. Tac. Et il faut qu'on aille faire pareil de l'autre côté. Touc, 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 touc. Donc on retourne au timer. Ah. Hop, hop, on continue. Putain, c'est long. C'est par là, hein? Pas du tout. C'est pas du tout là. Je m'ai trompé d'escalier. C'est pas grave. Nyon. Heureusement, je peux courir. Et je cours vite. Nyon. Ok, donc on a dit. Non, c'est pas lui. Si? C'est pas lui. Ah bah si, alors c'est forcément. Si, si, c'est celui-là. Celui-là, ok. Et si on fait ça, c'est pas bon. Bah et non, une nu. Ouais, non, ça c'est pas bon non plus. Eh, mais ça c'était bon. Donc ça va tout replier. Et ça va tout amener là-bas. Tac. Ok.
Sauf que, il faut que je mette la passerelle ici pour pouvoir activer le timer et courir. Donc il faut que je refasse lui. Donc on va refaire lui. Oh la vache. C'était un truc comme ça. Voilà. En vrai, c'était facile. Là, c'est bon, je peux passer. Et là, je peux passer. Allez, un nouveau laser. Cours, Forest! Boum! Hop, et on ressort avant d'être bloqué. Et on activait un nouveau laser. Et ça, c'est une excellente chose. Bzzz. Il va tirer de quel côté? Gauche ou droite? Ou alors il va se tourner. Ok. Rayon laser! Allez! Là-bas! Bon. Bon, l'acrobranche, c'est fait. On n'a pas tout fait encore. Hein? Il nous manque des trucs, j'imagine. Il y a des choses qu'on n'a pas vues. Mais c'est fait. Est-ce que... Je vais refaire cette plateforme-là, comme ça va me débloquer. Je vais pouvoir redéblo... enfin, retourner au raccourci là-bas. Hein? On va faire ça. Et là-bas, ça sert à quelque chose ou pas? Salut Rocher! Hola! Non, c'est l'autre que je veux, c'est lui. C'est lui! Ça, c'est cool quand même. Ce concept de... Si tu fais un truc qui bifurque, ça déplie et replie les trucs dans le bon sens. Ça c'est plutôt sympa. Non, 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 là. Voilà, là, comme ça. Hop! Non, parce que s'il fallait tout refaire à chaque fois... Donc... Alors là, par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi ce câble-là, je ne peux pas l'allumer. Enfin, c'est quoi? Il va où, lui? Où c'est-il qui va, ce câble? Il a l'air de descendre. Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on n'irait pas voir en bas? Où il peut bien nous amener? On va faire ça. Allez. Tac, une petite rame. Mais il est où lui? Un cheeseburger. Quoi? C'est là, hein? Mosinor. Non, bah non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve pas le câble, je ne sais pas. Et bien caché. Hein. Je sais pas où ça va, je sais pas pourquoi. Tant pis. Je regarde plus beaucoup Mosinor. J'ai pas mal regardé quand j'étais ado, mais il me fait plus tant rire que ça. Et là, par là, il y a quoi? Il n'y a rien! Incroyable. C'est fantastique. Bon, on va partir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Et je sais qu'il y a des trucs que j'ai pas fait là dans l'acrobranche, mais il y a des puzzles que je n'ai pas encore vus quelque part. Donc je ne sais pas où et comment les faire. Et là, le château fort, on va voir là-dedans. Allons voir dans le châtal. Baladons-nous. Attention. Oh
Oh, ça résonne en plus. Waouh. Une énorme tour. Là, il y a du câble. L'eau, elle va se fermer parce que, hein. Oh là 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 là, tu le sens le labyrinthe? Oh là 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 là, ça va être sympa encore ça. Ça va être très sympa. Oh mon Dieu. Hop. Hop, on le parie que ça va bouger. Je sais pas. Je sais pas. Oh, me dit... Attends. Oh! Je crois que... Attends. Attends. Gauche. Tout droit. Droite, droite. Oh là 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 là, c'est Vislard, c'est Vislard. Hop. Tac. Tac. Voilà. C'est ça le chemin qu'on a fait. Ah. Ah, les coquins. Les coquinous. Et alors là, je sens bien, il doit y avoir un délire, peut-être, avec les ombres, non, je ne sais pas. Oh là 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 là. Hein. Excellente question. Ça a ouvert que celui-là, on est d'accord? Oui, faut les faire dans l'ordre. Super. Eh ben, c'est quoi la logique de celui-là? C'est quoi? Ça se trouve, c'est juste une logique toute pétée. Genre, allez, prends le chemin le plus simple. Non. Bah non, ça aurait pas été aussi simple. Et si on fait un truc comme ça? Là, par là. Parce que j'avoue... Non, c'est pas ça non plus. Oh. Et si on essaye par là, comme ça? Non plus. Bon, il y a une logique, hein, forcément. Nous allons la trouver. Enfin, peut-être. Je ne sais pas. J'espère. Parce qu'on peut... On peut passer partout. Donc, moi, je veux bien, mais... Ouais, on a qu'à dire qu'on peut pas passer là. Là, on peut passer là. Je sais pas. C'est quoi la logique du truc? Si tant est qu'il y ait une logique. Hein? Est-ce que j'ai essayé un truc comme ça? Au pire, je les fais tous, hein. Je fais toutes les... toutes les trucs possibles. Tu vois, au pif. Au pif, c'est faisable, je suis sûr. On tente au pif? Allez. On tente au pif. Ou alors, faut dessiner un truc. Il y a des endroits où il y a de l'herbe par terre. Est-ce que ce serait pas ça, la connerie? Hein? Je le sens bien, ça. Regarde, là, tu peux me... Hop. Parce que là, si tu vas là, il y a de l'herbe. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de passer. Est-ce que ce serait pas ça? Hein? Attends. Un truc. Attends, on a un truc dans ce genre-là. Ah! Putain.
tu es dans le puzzle. Ah non mais. Aïe 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 aïe. Oh mon Dieu. Ah. Tu es dans le puzzle, Harry. Ils sont méchants, hein. Donc, alors, l'autre, c'était l'herbe. Ici, c'était l'aime. Qu'est-ce que ça va être la logique de celui-là? Réfléchissons. Observons un peu autour de nous. Y a-t-il des choses qui nous semblent étranges? Je sais pas. Oh! Oh si, ça y est, j'ai... Regardez. Attends, non? Regarde. Là, regarde, tu entends? Est-ce que tu entends quelque chose? Non, tu entends juste des petits pas tout simples. Mais là, il y a un joli petit bruit de gravier. Il faut faire le chemin avec le bruit. Sérieux? Ou alors non, justement. C'est peut-être si on le fait... Oh la vache! C'est justement là où il n'y a pas de bruit qu'il faut le faire. Ah, oh, c'est vénère. Attends, faut que je le note parce que je vais pas réussir à m'en rappeler. Donc, hop, à droite, à gauche, en haut, en bas. Ces années-là, dragon branche, toi-même tu sais pourquoi. Oui, effectivement, j'ai chanté du Yannick. Et alors? Et alors, vous allez me faire quoi? Tac, tac, ok. Donc. Hop. Hop. Me clipper. Oh putain, le coup du gravier quoi. Ça me rappelle, vous savez quoi? Ça me rappelle quand j'ai fait pour mes 30 ans, mon frère et mes sœurs m'ont offert une session dans un escape game qu'on est allé faire sur Paris. C'était un bunker, c'était un truc type bunker zombie. Et t'avais une des énigmes à un moment. Qui était l'une des plus dures apparemment du scénario, qui se basait sur des flashs lumineux dans la salle. C'était de ce niveau-là, quoi. Genre, les mecs, ils s'étaient dit, tiens, et si on faisait ça comme énigme et tout, et alors, pour me la péter un petit peu, on a trouvé avec on a eu que quelques indices dessus. Genre on a eu 3 ou 4 indices pour comprendre cette énigme-là, là où la plupart des autres groupes en avaient besoin d'une dizaine, d'une quinzaine. Voilà. Et c'est ma grande sœur, c'est ma sœur aînée qui a trouvé la réponse. Donc force et respect à elle. Alors attends. Code avec une ampoule qui clignote. Ah mais je te jure. Mais franchement, j'aimerais bien en faire plus des escape games parce que quand j'ai fait celui-là, je sais pas si vous êtes amateur de jeux point and click, mais
C'est la représentation parfaite, c'est franchement les escape games, c'est l'incarnation du point and click dans la vraie vie. C'est vraiment ça, c'est tu cherches des objets, tu cherches des trucs avec lesquels tu peux interagir, qui peuvent te servir tout de suite ou pas. Et c'est à toi de te rappeler que t'as ce truc-là, machin, être comme ça, et du coup, des fois, tu te trouves devant des énigmes. En fait, l'objet qui va te servir à la résoudre, tu l'as trouvé dans la toute première salle. C'est l'un des premiers trucs que t'as trouvé qui te servait à rien au début. Et bah, c'est ça pendant 1 heure. J'ai pris mon pied, vous pouvez pas imaginer. Parce que les point and click, c'est mes jeux préférés. Et ouais, et l'escape game, c'est vraiment ça, quoi. C'est l'incarnation du point and click. Ah, attends, c'est quoi la logique de celui-là? Je connais ton niveau. Ah! Ah, d'accord. Attends, je crois qu'il y a... Ah, mais... Non. C'est quoi la logique? Attends. Attends, je comprends pas là. Attends, je la comprends. Attends, 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 attends. Pourquoi je peux pas avoir une vue aérienne du truc, hein? Pourquoi je peux pas monter sur la haie là? Peut-être parce qu'elle s'appelle pas Brigitte. Ça doit être pour ça qu'on peut pas lui monter dessus. C'est un jeu méta. Ah, ouais, c'est un jeu méta, c'est un jeu méta parce que à la fin, les gens ils disent mais t'as rien compris. C'est pour ça que t'y arrives pas. Fez, j'y ai pas joué. Attends. Attends, attends, attends. Baboum. Mais c'est pas du tout le même chemin, ça. C'est pas le même truc, regarde. Ou alors? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ou alors, je sais pas. Je ne sais pas finir cette phrase. Merde. C'est un chemin qu'on a déjà vu, peut-être. J'essaie de me représenter mentalement le truc. Et mentalement, j'y arrive pas. Y a pas un truc qui me permet de... Non? Non, y a pas un truc qui me permet de... Non. Attends. Et c'est pas le chemin que tu prends pour aller jusqu'à la porte. Quoi? Putain, c'est forcément lui en plus. C'est quoi ce délire? Tu te drogues, Billy? Non, mais je pense que quand j'aurai fini ce jeu, si je le finis un jour, je vais m'y mettre. Je vais me mettre à la drogue, ouais. Comme ça, au moins, je pourrais oublier, tu vois. J'aurais plus à souffrir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, ou alors ils ont inversé le machin. Si ça se trouve, ils ont mélangé les coucou Dodo Music Fam. Oh. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, on n'est pas le soir. Comment vas-tu? Installe-toi confortablement. Viens griller quelques neurones avec nous.
Mince, je comprends pas. Ça va bien. Oh, bah c'est une excellente nouvelle. Je comprends pas. Pourquoi tu m'en veux, toi? Bah ça va, écoute. Ça va, ça va. Enfin, ça ira mieux quand j'aurai compris la logique de cette énigme. C'est pas le son cette fois. Ou alors... Achernar n'est pas si loin. C'est pas le chemin que tu prends jusqu'à la porte. Est-ce que je l'ai pas déjà vu celui-là? Attends. Ce serait pas un truc que j'ai déjà vu et qu'il faut refaire quelque part? Tu sais, genre... Genre le truc pas sympa, tu sais. Genre, hé, hey, tu te rappelles la réponse de l'énigme 872? Tu sais, quand t'es à l'énigme 2304. Je sais pas si vous vous rappeliez de ça. Il y a une quinzaine d'années, il y avait un site sur Internet qui s'appelait Ouverture Facile, qui était un site d'énigmes successives, qui était très facile au début, et qui très très vite devenait ultra hardcore. Et des fois, il te faisait des petites feintes comme ça. Genre, imagine, t'arrivais à l'énigme genre, je sais pas, je dis une connerie, mais genre numéro 82. Voilà, imagine, genre, énigme numéro 82, et la réponse de l'énigme 82, c'était, hey, la réponse, c'est la... Tu sais, genre, est-ce que vous vous rappelez de la réponse de l'énigme 17? Et là, tu fais comment ça? Est-ce que je me rappelle de la réponse de l'énigme 17? Et tout simplement parce que la réponse de l'énigme 82, c'était la réponse de l'énigme 17. Le truc que t'as déjà oublié depuis 200 ans, parce que tu t'es pris la tête sur le reste. Et ça me fait un peu ça, tu vois. Ce que je voulais dire, c'est que le chemin que tu fais pour aller à la porte est le chemin que tu dois tracer. Ah ouais? Hein? Alors attends. 1, 2. 1, 2, ça marche. Il manque une info. Attends. Deux à droite. Ok, là j'avance d'un cran. Ok. Là j'avance de deux à droite. Ouais, ça c'est bon. Là j'avance d'un. Ok, ça c'est bon. Là je vais à gauche. Tout droit. Ok. Est-ce que c'est ça? On va voir. On va voir. C'était ça. Bien joué, Achernar. S'il vous plaît, une pluie de GG pour Achernar. Une pluie ou une cascade ou un torrent, s'en fiche. Hein. Regardez comme c'est joli. Ça sert à rien, mais c'est joli. Je peux monter? Non, évidemment, c'est trop tôt. C'est trop. C'est pas allumé, évidemment. Oh, un gros puzzle. Non. Non. Mais non, mais... tu le sens que... Tu le sens qu'il va falloir... Je disais que je voulais voir la vue aérienne. Ça, c'était bon. Ah, la vache, il va falloir retracer les... Ils sont taquins, les développeurs de ce jeu, hein? Ah, ils sont taquins. Oui, ils sont très très taquins. Oh là là! Mon Dieu. Je vais les noter, hein.
Ah, je vous préviens, je vais les noter. Mais on va voir ce que dit Enilia, qui a d'abord des trucs à voir en bas. Ah la vache! Ah les taquinous! Bonjour monsieur. Quoi, you shall not pass? Ben, je passe quand même. Voilà. Ouais, je sais, c'est vache, mais c'est comme ça. C'est quoi ça? Allume-toi! Ça a fait quoi? Ça a fait un truc? Peut-être que ça a permis d'utiliser ce machin? Pourquoi il n'y a pas de dé... Hey! Hey! Mais il est où le début? Ah bah il est là. Non, il n'est pas là. Mais il est où? Tu es sérieux le jeu? N'empêche, c'est vachement bien trouvé. Attends, c'était où après? Hop, je vais descendre. Oh, putain. Bonjour. Bon. Oh non! Non, ne tue pas! Ok. Tac, tac, tac. D'accord, hein, c'est ça. Eh merde, c'était pas ça. Je crois qu'il va pas aimer. Eh ben. Ah oui, et maintenant. Allume-toi! Ça n'a pas marché. Parce que j'ai fait une boucle. Salut, Urzam! Donc on a dit tout droit, gauche, droit, droite. Ah, voilà. Tac, tac, tac. Donc, on fait pas de la merde, hein. Hop. 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 Ça a marché! Bonjour monsieur! Bonjour messieurs dames! Putain! C'est ouf! C'est ouf! Alors... Ah! Oh putain. Mais... Le jeu, il est méchant avec moi quand même. Donc ça peut pas être tout droit. Ça va forcément être au début à gauche. Est-ce qu'on n'essaierait pas un truc comme ça? Est-ce que ça va marcher?
On verra après. Merde. Je crois que j'ai fait Nawak. Hein. C'est même plus que probable. Ah oui. Ah oui, non, bah non, non, oui, non, c'est pas ça du tout. Bah non. Mince. Alors on va essayer autrement. Hop. Hop, hop. Attends. Attends. Mémoire de bulot. Eh non, bah non, c'est pas bon. Eh bien, casse-noi cette zone, ouais. Eh non, 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 ça va pas être bon parce que du coup, là, ceux du dessus, je peux pas les séparer. Enfin, les deux carrés noirs de gauche, là, je peux pas les séparer des deux carrés blancs du bas, de gauche. Donc, c'est pas bon. Ouais, c'est un peu. C'est un peu casse-pied, ouais. Alors, en plus, il y a des trucs pétés et tout. T'as raté l'acrobranche? Ouais. J'ai fini par... Ouais, j'ai fini la plateforme pour aller tout droit. Je suis tombé sur un truc que je pouvais pas résoudre parce qu'il y avait une petite flèche jaune. Enfin, je l'ai résolu, mais ça a fait un truc que je sais pas quoi. Et du coup, j'ai rassemblé les deux plateformes là qui tournaient et puis j'ai activé le timer et j'ai pu activer le laser. Voilà. Et du coup, je suis arrivé dans ce charmant château avec des labyrinthes. Et voilà. Et ça va bien se passer la fin. Attends, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Et si, attends. Et si je faisais un truc? Attends, faut que je teste je vais le noter, sinon je vais oublier. Si je fais genre tac 1, 2, droite, je remonte là comme ça 1, 2, 3, 4. Ah bah non. Ah non, si. Truc comme ça. Attends. Non, bah non, ça va pas être bon. Ça va pas être bon parce que. Attends. Si je fais ça là. Tac. Attends. Tac. 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 Là jusque là. Là comme ça. C'est pas bon parce qu'il y aura trois carrés. Attends, est-ce qu'on a dit qu'il fallait forcément qu'il soit... À quel moment on a dit qu'il devait être forcément... Deux par deux, cela. Maîtresse, il fait une anti-sèche. Et alors? Et alors? Est-ce que les trucs sont... Là, il y a un truc... En fait, ce qui est relou, c'est que le machin là-bas, là, il est cassé.
Du coup, on peut pas. Donc, on commence là. On fait un truc comme ça. Et si j'essayais juste de faire. Ah mais non, je suis obligé de revenir là. Je suis obligé de faire ça. Tac, tac, tac. Pour séparer ceux-là. Ouais, c'est ça. Les carrés, on s'en fout, il me semble. Mais. Ou alors. Est-ce que je peux faire. Tac. Tac, tac, tac. Attends. Attends, attends, attends. Tac. 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 Tac, 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 tac. Un truc comme ça. Attends. Palais Soleil! Non, pas ça! Mais non, mais là-bas aussi, c'est cassé. Ok, attends, je reviens sur mes pas pour pouvoir visualiser le truc. Non, pas ça. Ok. Du coup, là, ça fait ça, sauf qu'ici, le machin, il est pété. Ici, là. Donc, je ne peux pas l'utiliser, lui. Donc, est-ce que je peux pas faire tac, 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 revenir là, faire ça, tac, tac. Ah, peut-être, peut-être, on va voir, on va voir. Attendez, donc on a dit, boum, là. Comme ça, jusqu'ici. Là, j'avance. Là, évidemment, je ne peux pas passer. Sinon, ce n'est pas drôle. Et est-ce que je peux maroufler? Bah non, je peux pas maroufler. Ah. Ah, crotte de bique. Bah, je peux pas revenir en arrière là. Ah. Oh, ça m'agace. Oh, ça m'agace. Merde. Putain, il est chaud celui-là. On est d'accord, il est dur. Bon, il y a peut-être moyen de faire autrement. Peut-être qu'on peut faire autrement. Hein? Bah oui, peut-être qu'on peut faire autrement. Et si je fais tac là, je redescends là, je retiens deux. Là. Ah, peut-être. Attends, regarde. Tac, tac. Tac. Et là, je descends. Tu vois, jusque-là, comme ça, et je fais ça. Tac. On va voir. On va voir. Vas-y, je vais faire n'importe quoi. Boum! Regarde, ça ressemble à rien. Il est content, il est content. Donc, j'ai dit. Que je faisais. Attends. Hop. Hop. Gauche. Je monte de 2. Je bifurque à droite. Je monte de 1. Je bifurque à gauche. De 2.
Ensuite, il descend tout en bas, gauche, il remonte de 2, et il fait comme ça. On va essayer ça. On va essayer ça. Hop, comme ça. Là, comme ça. 1, 2. Là, je redescends tout au bout. Je bifurque là. Je fais ci, je fais ça. Eh ben voilà! Ah là 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 là. C'était pas si dur que ça, en fait. C'était même sûr, en fait. Ah, c'est quoi ça? Je ne connais pas ce symbole. Je ne connais pas ces trucs-là. Ça veut dire quoi? Et là? Bah non, je crois pas, non. Et je sais pas en fait quand est-ce qu'on a les trucs. Parce que en fait, depuis le début du jeu, tout le monde me dit non, mais t'as pas ce truc-là, donc tu peux pas le faire. Mais à quel moment on l'a et comment on nous l'explique? Parce qu'il y a bien un moment où on nous l'explique. C'est surtout ça, tu vois. Et à chaque fois que je demande, mais du coup, il y a un ordre? Tu vois, on me dit non, non, il n'y a pas d'ordre pour faire les énigmes. Bah, si, visiblement, sinon il y a des énigmes que je peux pas comprendre. Le Tetris, c'est dans un genre de marécage. Bah, pas fait. Donc il faut que je reparte. Je peux pas continuer là, ça veut dire, c'est ça? Il faut que je reparte. C'est bien, c'est pratique. Attends, on va essayer de trouver le bâtal. Hop. C'est pas là. Ça va être par là, je pense, qu'on peut le récupérer, le bateau. Est-ce qu'on peut récupérer? Non? Non, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venu ici? Moi, je veux récupérer lui là-bas, là. Faut que je fasse demi-tour. Pourquoi je suis venu là? C'est sympa, remarque. Non. Je ne pense pas que je sois prêt pour ce truc. Je ne pense pas du tout. Bon, je suis pas du bon côté. Je suis pas au bon endroit du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc on va chercher le bon endroit. Ah, au secours, je tombe dans un trou. Je risque de décéder de mort. Et c'est pas cool de décéder de mort. Parce qu'après, on n'est plus vivant. Sauf si on est un mort vivant, évidemment. Mais les morts vivants, c'est pas sûr que ça existe pour de vrai, en fait. Attends, c'est un truc, ça? C'est un canapé? Super, sympa la vue, remarque, hein. Il y a plus dégueulasse, hein, comme jardin. Il y a beaucoup plus dégueulasse. Oh là là, oh là là. Putain, ça doit être le gerbotron avec ma dextérité au joystick. Zou. Alors. Non, mais non, moi je voulais aller par là. Voilà. Hop. On repart. Hop, hop, hop. Alors, vous me dites qu'il faut que j'aille où? Dites-moi. Parce que là, il va commencer à me manquer des trucs, en fait. Il va commencer à me manquer des choses. Pour continuer. Et ça va être un peu emmerdant. Hop, c'est pas là. Tu vois, genre là, j'ai pas le Tetris, donc je peux pas. C'est où?
Hop. 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 Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille là, par là? Est-ce que c'est par là que je vais la prendre? Non, là, il n'y a rien. Parce que ça, c'est un marais. Mais il n'y a rien non plus. Bon, bah c'est super. Il n'y a rien. C'est cool. Alors, il faut que j'aille où? En gros. J'imagine qu'il faut que j'aille là. C'est ici que je vais apprendre le Tetris? Ou c'est là? Où c'est là? K. Dites-moi. Mais est-ce que les symboles comme ça... Attends, ah oui, non, les symboles. Celui-ci? C'est là où je vais apprendre les trucs, c'est ça? Ok, eh ben on y va alors. Allez, c'est parti pour Tetris. C'est quoi ça? C'est la vitesse? Hein? Ah oui, c'est la vitesse! Ah bah c'est bien! Oui, allez, va vite! Déjà vu. Déjà vu. On est déjà à 1 heure. Eh ben, encore 1 heure et demie, les copains. Encore 1 heure et demie. Aïe, mondo, mondo. J'ai mal au dos. Tenons-nous droit, un petit peu. Alors. Oh là 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 là. Oh, ah, ça promet. Je regarde un petit peu ailleurs. Hein. Avant. Là-bas. Pas sûr que ce soit le départ. Je sais pas trop en fait. Là, c'est immergé. Ok, ça tourne. Pourquoi pas? Va falloir qu'on le refasse tourner encore. Ou alors le truc il tourne tout le temps. Je sens bien le machin qui va tourner constamment. Arrête-toi. C'est ça, c'est bien ce que je disais. Bon. Ça tourne vite en plus. Oui, bah oui, hein, histoire que qu'on perde pas de temps. Deux, trois. Comment ça peut marcher ce truc-là? On est d'accord que ça, je peux pas le faire encore. Hein? Ça doit pas être faisable. Ou alors si? Bon, on va retourner au truc là-bas. Ça a l'air rigolo. Mais quoique non, je peux pas puisque j'ai pas de. Il n'y a pas d'électricité donc je peux rien faire en fait. Je suis obligé de commencer par le truc là-bas. C'est totalement obligé. Donc il faut que je comprenne.
ce truc. Oh là là, putain, c'est stylé, n'empêche, les décors. Alors. Qu'est-ce que c'est la logique? Qu'est-ce que quoi, hein? Comment ça marche ce truc? On en a trois. Comment ça, bzz? Oh. Arriver depuis la Terre et qu'il y a des trucs plus simples. C'est une info chat? Quoi? Ça veut dire quoi une info chat? Tu veux dire que là, par là, j'ai l'explication? Une information douteuse. Bah là, c'est fermé. Non, bah non, 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 c'est... Alors attends, parce que j'ai vu un truc là-bas quand j'ai essayé. Il n'y a que celui qui est tout seul qui a fait un... qui a clignoté. Du coup, l'idée, ce serait qu'il faut entourer ceux qui ont trois. Qu'il faut qu'ils soient entourés de trois trucs. Et... Et lui seulement d'un? Non, ce serait chelou. Parce que ce serait pas possible en fait. Si regarde, si je fais ça là, il y a seulement celui qui est tout seul qui clignote. Pourquoi il me met un... Il y a de l'idée, sauf que bah moi je veux bien, mais pour faire seulement un, c'est bah, c'est pas possible en fait, puisqu'on peut pas revenir sur comment tu veux que je fasse? Vas-y. Et si on essaye un truc comme ça? Non, c'est pas bon. Fais voir. Est-ce que c'est vraiment un délire comme ça? Putain, ça va vraiment être ça. Pense, Lego. Pense, Lego, pense, Lego. Faut arriver par le milieu de la map et non de la mer. Ah! Bah du coup, c'est un peu con de mettre un truc qui te fait arriver par la mer. S'il faut arriver par ailleurs. C'est un peu con. Du coup, par où je peux... Eh, salut, Niro. Au fait. Est-ce que si je vais ici, je peux le rejoindre, le truc, là? Si je débarque là. Est-ce que c'est possible ou pas? Dites-moi. Parce que si c'est pour possible... Tu vois, si je vais là, là, comme ça. Est-ce que je vais pouvoir rejoindre? Ou alors ça va nous faire 200 ans de randonnée et ça va être chiant. Parce
que sinon je vais par ailleurs, hein, je vais à un autre endroit. Tu vois, je passe par là, par exemple. Je sais pas. Non, c'est la suite, mais faut d'abord comprendre la logique du puzzle. Hein? Moi, ce que... Attends, vous me dites pour que ces puzzles-là, pour pouvoir les faire, il faut que j'arrive par la Terre. Du coup, moi, ma question, c'est si je vais débarquer ici, est-ce que je peux rejoindre ce truc-là par la Terre? Est-ce que si je vais juste là, je peux le rejoindre ici? Ou est-ce qu'il faut que je passe par un autre endroit? C'est ça ma question. Typiquement, si je débarque là, est-ce que je vais pouvoir rejoindre ce truc-là par la Terre? Celui qui est dans la crique. Plutôt là alors. Bon allez, on va essayer là. Enilia dit que on peut y arriver par là. On va voir. Oh, c'est stylé ça. C'est très très stylé. Et puis la mer, je n'y arriverai pas. Tu vois, ça c'est un truc qui est un peu con aussi. Le jeu, il devrait te le dire, ça. Il devrait te le dire, je trouve. Parce que je pourrais rester bloqué des heures sur un truc comme ça. C'est un coup à te faire abandonner le jeu, quoi. Petit problème, hein, parfois. Tu dois le deviner, c'est comme Dark Souls, c'est compliqué. Ouais, bah c'est la même chose qui m'emmerde dans Dark Souls. Dark Souls, il y a trop peu d'informations, je trouve. C'est pas une question d'avoir des flèches de fête foraine, c'est pas ça, je te dis, c'est qu'il y a une différence entre mâcher le travail au joueur et lui cracher à la gueule, quoi. Tu vois, faut trouver un juste milieu entre démerde-toi, coco. Et bon, c'est vraiment pas possible, donc va voir ailleurs, tu vois. Parce qu'il n'y a rien qui te permet de savoir que c'est pas là. Tu vois, là, si vous m'aviez pas dit dans le chat, ben non, non, tu trouveras jamais, casse-toi. J'aurais pu essayer des heures le truc sans comprendre quoi que ce soit. C'est un peu dommage. Donc ce serait plutôt par là. Les anciens, c'est à toi de chercher le pourquoi tu n'y arrives pas. Ouais, mais je maintiens qu'un petit système d'indices, ce serait pas mal. Ok. Alors attends, là j'ai ça, mais est-ce que j'ai autre chose ailleurs? Ça emmène totalement ailleurs, j'imagine, hein. Ouais, non, ce sera pas là. Ce sera pas là. Bon, bah, ok, d'accord. J'ai ouvert le truc. Super. Les joueurs sont trop pris par la main depuis 15 ans. Bah, ah, je te dis, c'est sans forcément être pris par la main, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a il y a un juste milieu à trouver entre. Enfin, tu vois, donner un indice, c'est pas être pris par la main, tu vois. Je sais plus, on en parlait. Tu vois, je sais plus, on en parlait hier sur mon live, on parlait de Dark Souls avec son délire des DLC. Les DLC qui sont planqués dans le jeu, que tu peux pas débloquer si tu fais pas certaines choses dans un certain ordre et tout ça. Sauf que le jeu te dit absolument pas quoi faire ou comment et tout ça, c'est à toi de te démerder. Je suis désolé, tu payes un DLC pour pouvoir y jouer sans non plus te mettre des flèches de fête foraine
pour t'indiquer le chemin, tu vois, ne rien te dire pour le débloquer, pour moi, ça, c'est du foutage de gueule. C'est totalement du foutage de gueule. Parce que c'est des trucs. Enfin, pour les deviner, faut être soit coréen, soit faut avoir un guide, quoi. C'est à toi de chercher dans les notes comme l'histoire du jeu. Ouais, mais non. En DLC, attends. Genre, c'est chiant. Tu ressors le jeu du placard après plusieurs mois. Quand tu fais le jeu from scratch, c'est cool, mais sinon, non. L'histoire de Dark Souls se trouve dans les notes et les descriptions d'objets. Ouais! Ouais, mais enfin, t'as tellement de trucs dans ce genre de jeu, justement, tu vois, un jeu comme Dark Souls, t'as tellement de choses à lire. Il y a un moment, tu décroches, hein, je suis désolé, mais souvent, en plus, souvent, c'est dans ce genre de jeu, c'est pas forcément utile d'avoir toutes ces infos, tu vois, genre pourquoi cette lame s'appelle Trucmuche, je sais pas. Tranche sensu ou je sais pas quoi et tout. Grosso modo, en général, ça te sert pas à grand chose, tu vois. Il y aurait un truc dans le jeu au début qui te dirait, voilà, genre la lecture c'est important, ça te pousserait un peu, mais comme le jeu te dit absolument rien, bah tu passes à côté de choses. Et non, moi c'est un problème, c'est un souci de lisibilité, quoi. Bon alors, du coup, l'autre là, il en faisait. Est-ce que ce serait pas un truc comme ça? Non. Pas que ça sert pas à grand chose, c'est un style de jeu, ça existe depuis 30 ans. Ouais, mais. Et si on essaye ça? Non, c'est pas bon. Ah oui, mais il y a peut-être ça à regarder avant, du coup. Si c'est bien fait, faut pas que ça nuise au reste du jeu, il faut savoir maîtriser pour pas bloquer le joueur. Oui, mais c'est ce que je te dis justement, c'est qu'il y a. Il y a une dif... il y a un juste milieu à trouver entre ne donner aucune info et en donner trop. Voilà, typiquement, entre cracher à la gueule du joueur et lui tenir la main pendant tout le jeu. Et c'est tout. Enfin, tu vois, pour moi, un jeu comme Dark Souls, je peux pas parce qu'il y a trop peu d'infos. T'es vraiment livré à toi-même et non. Enfin, tu sais, c'était déjà pas bien dans les jeux des années 80 et 90, hein, quand tu lançais un jeu et qu'on te bombardait dedans sans rien t'expliquer, sans que tu saches rien. Joueur du grenier, il en a pas mal parlé sur certains jeux, et je suis désolé, non. Enfin, non. Dans le sens où un truc te paraît compliqué, tu butes pas dessus, à un moment tu vas te dire, ok, c'est peut-être pas ici, allons voir ailleurs. C'est qu'en fait aussi, il y a une différence, c'est que, et là ça vient de me revenir, c'est qu'il y avait des jeux qui étaient compliqués avant, ça, il n'y a pas de souci, sauf que, je sais pas si vous vous rappelez, mais moi quand j'étais gamin, quand on avait un nouveau jeu qui arrivait à la maison, il y avait toujours ce qu'on appelait un petit livret. Avec, hein, il y avait des petits livrets d'explications qui t'expliquaient les personnages, qui t'expliquaient les armes, qui t'expliquaient la façon de jouer et machin, et qui te disaient des fois, justement, qui te donnaient des petits tips, genre si c'est trop chiant à cet endroit-là, allez faire autre chose, tu vois, et revenez-y plus tard. C'est peut-être que vous n'avez pas les moyens de le faire là. Et du coup, vu que t'étais prévenu, bah quand tu te mettais à buter sur quelque chose, t'étais prévenu. Tu vois, donc tu le savais que c'était pas, tu le savais que t'avais peut-être pas ce qu'il fallait. Le problème, c'est que maintenant, ces choses-là, on les a plus. On les a plus. Ou alors, c'est des tutos, soit qui te mâchent tout le boulot, soit qui te disent rien. Les tutos de Dark Souls, ils te disent pas grand-chose. Et du coup, voilà. Enfin, quand t'as pas ces infos-là, c'est pas ouf, hein. Fonctionne comme ça, si tu butes de trop, tu vas chercher ailleurs.
Bah, ça dépend des jeux. Est-ce que... Ah, attends. Il se tape la tête sur une porte 555 fois, car la porte est fermée, à un moment tu cherches la fenêtre ouverte. Ah, c'est au niveau des angles. Un, deux, trois. Non? Ah, ou alors attends. Un, deux. Non plus. Il utilise l'infinité du temps pour briser un mur de 8 mètres dans le matériau le plus dur de l'univers. Oh. Attends. Est-ce que... Oh là 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 là. Attends, 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 attends. Putain, c'est dur le Tetris là. Ouh, ouille, 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 ouille. Encore une heure dessus. Oh la vache. Attends, parce que je comprends pas. C'est pas une question d'angle. C'est pas une question d'angle. ça doit être une... Je sais pas. Il faut reproduire la forme? C'est ça? Il faut reproduire la forme? Attends. Ah putain, ouais. Ok, d'accord. Attends. Donc, ce qui veut dire que... Hop. Ça, c'est pas bon. Ah mais non, je suis con. Non plus. Non plus. Attends, on va essayer, vas-y. il est assez nébuleux celui-là pour moi, j'avoue, je... Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Attends. Non. Non plus.
Yo Arteos, non, c'est pas ça. Ça va pas être ça, putain. Comment ça va? Puzzle comme avant? Pourquoi? Salut trou de balle magique. Eh, ça va, bah ça va, écoute, on fait chauffer. Pourquoi c'est le même? Pourquoi c'est le même? Je comprends pas, pense Lego. Oui, d'accord, faut les assembler, mais. T'as compris comment ça marche, mais ça aurait pas expliqué. Un fichier niveau remplissage des tuiles case. Ouais, mais je. Ah, c'est pareil encore? Non. Je comprends pas! C'est pas logique! Attends, mais. Ça fait quoi qu'il soit en haut ou en bas si c'est toujours. Attends, je comprends. Je le comprends pas celui-là. Et là, du coup, tu remplis quoi? Comme ça? Et c'est tout? Ouais? Ouais, non, mais ouais, je. Elle est fait en full random celui-là. Ah non, mais. Pourtant, c'est que la somme des carrés dans le motif soit égale à la surface des motifs. Je pense que vous avez dû voir des neurones mourir dans mes yeux. Il y a un fusible qui a dû griller en direct. La vache, j'ai rien, j'ai pas du tout compris ta phrase, Crystal. C'est. Tu dois entourer le nombre de cases en respectant la forme et la direction. Hein? Tant que la forme que tu crées possède la forme à l'intérieur. Fais des petits dessins au pif. Ah non, mais ça va être du random parce que je comprends pas. Je comprends pas la logique d'assemblage. Pourquoi un coup il est à côté? Pourquoi le fait qu'il soit pas à côté ça change rien? Et tout ça, tu vois. Enfin, ce qui me dérange, c'est la position des trucs. C'est quoi le rapport entre leur position et tout ça, tu vois? C'est. Oh là 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 là. C'est. Ouais, non, mais je vais buter sur celui-là. Hein. J'arrive pas à me représenter le truc. C'est terrible. Là, celui-là, je l'ai fait au pif, hein. Je l'ai fait au pif. Et du coup, ça a allumé quoi? Ça a allumé rien, ça a allumé ça, non?
Ça a allumé quel truc? Là? Ben non, celui-là il n'est pas allumé. Celui-là il n'est pas allumé. Donc ça va allumer plus loin là-bas derrière, c'est ça? Non? Bah non, c'est pas ça. Là-bas? Non, c'est pas par là, je ne pense pas. Non, 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 bah c'était bien là-bas alors. C'était le bon panneau. Ok. Non, mais j'y retourne, j'y retourne. C'était juste pour m'entraîner. Ouais, mais je sais pas, comme le câble il est pas allumé, tu vois. Comme il est pas allumé, ça me perturbe. Alors attends. Tu veux une réponse graphique dans TD? Ils avaient plus de câbles RGB. Non mais attends, attends, attends. Tac. T'as compris celui-là? Est-ce que ce serait pas un truc comme ça? C'est pas facile. Et ça a allumé quoi? Ça allume quoi et où? Ça n'a... Moi je veux bien, mais... C'est pas une question de ligne, mais de position et de remplissage. Hein, mais... Cherchez pas, mon cerveau il bug. Il bug là-dessus, donc vous pourrez me donner toutes les explications quand je le connais, mon cerveau. Quand il est comme ça, il veut rien. Faut faire quoi là? Faut aller où? Ça a rien allumé. Ça a rien allumé, putain. Le câble, je vois même pas où il va. Faut que je ressorte, faut que je reparte. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça a allumé la porte là-bas, peut-être. Allumé, ouvrir, ouvert, peut-être. Ok, d'accord. Ça y est, là je commence à être un peu saoulé par le jeu. Tu me veux quoi, le jeu? Tu veux que j'aille où? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'allume quoi? J'ai rien, j'ai pas de panneau. C'est agaçant. Voilà. Si quelqu'un sait où je dois aller, avec plaisir, parce que là... Non, mais parce que là, j'ai rien... là, j'ai allumé le truc. Moi, je veux bien, mais ça n'a rien donné. Pourquoi ça allume pas? Et... Alors, il faut que j'arrive à allumer l'autre câble là, mais comment? Tu vois, c'est là où je te dis que le jeu, des fois, il manque de clarté. C'est que, typiquement, je suis au début du niveau, et là, d'un coup... Quoi?
D'accord, ok. Bah, il y a des trucs qui sont pas clairs dans le jeu. Là, 1-1-1. 1-1-1. Ouais, mais du coup, je te dis, voilà, c'est ce que je te dis, c'est que des fois le jeu il manque de clarté. Il manque de clarté. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, il est cool quand même, hein. Mais petit système d'indices, serait pas de trop, je pense. Léger, hein, mais clairement. Clairement, clairement. Ouais, c'est pas grave. Allez. Allez, allez. On va y arriver. Oula. Alors, la logique du truc. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais y arriver. Un peu de bon sens. Ça dépend. Parce que là, en plus, lui, il en faut 4. Peu importe où sont les pièces, elles forment un bloc, tu peux les assembler où tu veux dans une seule forme. Je vais boire un coup. J'ai soif. Alors, ah là là, ta 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 ta. Il sombrera dans l'alcoolisme. Ouais. Ah là 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 là. Non, mais non, non, peut-être pas, mais attends. Attends. 4 fois haut, 2 fois droite. Attends, fais voir. 4 fois haut. Deux fois droite. Merci à Arteos. Bref, bref, bref. Alors, attends, attends, attends. Je vais quand même essayer parce que c'est bien beau d'être de mauvaise foi, mais il y a un moment, si je comprends pas le truc, ça va m'énerver aussi. En fait, ce qui me perturbe, c'est le fait que il y ait les. Tu vois, par exemple, ça, c'est au-dessus et tout ça. Du coup, du coup, moi, dans ma tête, en fait, dans ma tête, pour vous compreniez, c'est que ce truc-là doit être en haut. Ce truc-là doit être au-dessus des deux autres et machin, tu vois, c'est ça qui m'emmerde en fait. C'est ça qui m'emmerde.
Et du coup, voilà, parce que oui, là, du coup, ouais, le U, ok, je... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ouais, non, mais je vais essayer de comprendre. C'est parce que, enfin, c'est le but aussi, évidemment. Évidemment. Mais, Attends, alors, ou alors un truc comme ça. C'est ça. Ah non, mais c'est surtout, c'est, je te dis, c'est le... La position des machins m'emmerde en fait. C'est surtout ça, c'est que la position des trucs, c'est... Enfin bref, en fait, je saurais pas décrire précisément pourquoi ça bug dans ma tête. Je saurais pas. Mais c'est comme ça, c'est tout. C'est donc ça. Oui, bah oui, bah évidemment, moi aussi, je sais. Enfin, en plus, c'est terrible parce que c'est typiquement le genre de truc où quand on est extérieur, tu sais, tu vois mieux les choses que la personne qui est dedans. Et du coup, c'est frustrant. C'est très très frustrant. Je suis d'accord. Parce qu'on est. On est d'accord que les trucs là, ils doivent être compris dans le. Ouais, c'est ça, ils doivent être compris dans le trait. Tu triches, t'as fini tout le jeu. Attends, attends. Oui, non, mais attends, attends, attends. Je vais y arriver. Il faut que j'y arrive. Sinon, ça sert à rien. Donc. On en a 1, 2, 4, 1, 2, 1 et 1, 2, 2. Ce qui fait que là, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre des puzzles, mon cher Glub. Salutations. Ça dérange pas si je t'appelle Glub? Glub, je sais pas. Voilà. Parce que sinon, pour prononcer, je vais avoir du mal, malheureusement. Faut pas m'en vouloir. Ouais, donc ouais, faut résoudre les. C'est pas comme. C'est comme ça qu'il faut le dire, comme une bulle. Ok. D'accord. C'est pas faux. Alors, attends, attends, attends. Bon, du coup. Deux cas. Voilà, attends. Tu aimes les bulles? Bah c'est mignon les bulles. T'avais souvent zéro à l'école. Oh! Oh! J'étais nul en maths. J'étais une quiche. Et une force. C'était à. Attends. Ah non, Arteos. Ah, attends, 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 attends. Tuc. Attends, faut que j'arrive à comprendre. Faut que j'arrive à comprendre. Prof, formateur, inspecteur? T'es inspecteur. Directeur adjoint en école primaire. Ouh! Arteos.
La hantise. Si seulement t'étais inspecteur, la hantise de tous les profs. Ah là 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 là. T'as directeur adjoint. Ah là là. Attends. Même toi, il te fait peur, l'inspecteur. Eh, Portal 2, ouais, Portal 2, je l'ai fait avec un pote et c'était cool. Ça, pour le Portal, ça va, tu vois, Portal, j'arrive à me représenter les trucs. Là, j'avoue, celui-là, il est coton. C'est très simple, oui, sûrement. Parce que... Donc là, c'est pas bon. Je confirme, il a rien compris. Non, mais... Je te dis, on est d'accord que les carrés, là, les machins, ils doivent être dans la ligne. Ils doivent être dans la ligne. Ils doivent être compris dans le dessin que je fais. Attends. Pas comme tu le penses, putain. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah! Là 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 là. Il reste combien de temps encore avant que ça s'arrête? Ah putain, je vais y arriver. Je vais y arriver, mais je veux comprendre en plus. Les lignes, il faut que je les trace, regarde, Glub. Tu vois, je peux tracer des lignes et tout ça. Faut que je trace un dessin. Putain. Ah, c'est terrible. Il est presque 16h. Ouais, putain, on est jusqu'à... jusqu'à 16h30. La vache, je te jure, ça... Ça veut pas, quoi. Truc comme ça? Non. Non. Non, pas Jo. Non, pas Jocarteos. Non, c'est très gentil, mais je veux comprendre, c'est tout. Je veux comprendre le truc. Attends. Cela. Là, t'avais suite 4 qui était en bas avec les 2, 2, 3. Là, pareil. Mais là, du coup... Lui mâchez pas le travail. Non, non, bah non, non, je demande pas à ce qu'on me mâche le travail. Absolument pas. C'est pas du tout ce que je demande. C'est pas ça. Faut que le carré remplisse une des parties en nombre et en forme. Ouais, non, mais ça j'ai. Ah! Il est pute. Ça y est. Ah, tout le monde va avoir trouvé dans le chat sauf moi. Ça va être ultra frustrant pour vous, je vous préviens. Accrochez-vous à vos slips, hein, ça va être long. Ça va être long.
Dites-moi juste la ligne que je trace là. On est d'accord qu'il faut que les trois formes. Je fais un truc à la con. Hein. Je vais faire. Mais imagine, genre, là, je fais un truc comme ça. On est d'accord que les trois formes doivent être toutes du même côté de la ligne. Hein, on est d'accord. Il peut pas y en avoir une, imagine, genre, imagine, je trace un dessin comme ça à la con. Il peut pas y en avoir deux d'un côté et une de l'autre ou je sais pas quoi. Il faut qu'elles soient toutes comprises dans le dessin que j'ai fait. Et les trucs doivent être empilés. C'est ça que j'arrive pas à me représenter en fait. Tu vois, c'est un des trucs que j'arrive pas à me représenter. C'est terrible. C'est terrible. Il est terrible ce jeu. Pourquoi j'ai voulu y jouer? Pourquoi? Pourquoi j'ai voulu jouer à ce truc? Pourquoi j'ai voulu jouer à ce truc? Attends. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est terrible. C'est autant les autres trucs, c'était pas évident, mais ça allait, tu vois, le truc des soleils et tout, j'arrive à capter. Mais celui-là, ça veut pas, quoi. Ça ne veut pas. C'est terrible, hein. Ça doit être terrible pour vous. Je suis désolé. Je dois passer pour un gros faisan. C'est horrible. Bah non, évidemment, ça peut pas être ça. Putain. Il faut que les trois formes soient comprises dans mon dessin. Il faut que les trois formes soient comprises. Ah, si, je vois très très bien à quel point ça doit être horrible. Si, t'inquiète, Arteo, je vois très très bien à quel point ça doit être atroce. Je visualise parfaitement. Non, mais tu sais, j'ai l'impression, tu sais. J'ai l'impression de revenir à l'école, tu sais, quand la maîtresse ou le maître te demande de venir au tableau pour résoudre un exercice devant toute la classe. Tout le monde a compris, sauf toi. T'es complètement largué. Et la maîtresse te laisse pas partir tant que t'as pas tilté le truc et que t'as pas résolu le machin, tu vois. Tu te retrouves dans un espèce de sentiment d'impuissance terrible. C'est abominable. Ça me fait un peu cet effet-là. Tu sais, genre, ah mon Dieu, tu sais, t'as la pression de toute la classe qui te regarde, qui est en train de se facepalmer parce que tout le monde a trouvé, sauf toi. Il parle pour gagner du temps. Non, mais non, mais non, mais. Carré simple, tu dois le faire en entourant le truc où il y a les deux carrés. Comprends que dalle. Ah, mais je me sens con, putain. Ouais, donnez-moi un indice, un truc. Oh. Carré simple, tu dois le faire en entourant le truc où il y a les deux carrés. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ouais, bah oui, celui-là, ouais, là, c'est celui-là, ouais. Commence en montant tout en haut. Et va deux fois à droite.
carré simple, tu dois le faire en entourant le truc où il y a les deux. Tu dois l'entourer pour former un seul carré. On sent ton chakra dans tes yeux pour visualiser là. Et deux fois à droite. Attends, comment ça? J'essaie de visualiser la forme que ça peut faire. C'est mais. Fais voir. Non, bah non. Descends tout en bas. C'est. J'aurais jamais trouvé. C'est. Putain, il y a l'autre! Ah mon Dieu! Ah la vache! Merci Yash. Merci beaucoup. Ah putain, alors attends. Faut que ça prenne tout. Il faut que ça prenne. Alors, bon, attends, on va essayer d'analyser le truc d'avant. Ce qui me perturbe aussi, en fait, ce qui me perturbe, c'est la position des machins. Tu vois, dans, enfin bref, je sais pas. Est-ce qu'il faut forcément, tu vois, que la forme, tu vois, par exemple, les deux carrés horizontaux, il faut qu'elle se retrouve dans le dessin. C'est ça, ça peut pas être vertical, par exemple. Faut forcément que ce soit, ah, putain. Oh la vache, je vais jamais m'en sortir. Ça, elle va être très très longue. Faut avoir une vision de Tangram. Je suis nul au Tangram. Autant Tetris, ça va parce que je visualise le truc. Mais enfin là non, mais ça, waouh, c'est chaud bordel. C'est très très chaud. Alors attends. 2, 3, 3. Donc un horizontal, un vertical. Attends, oh la vache. Celui-là, il est en deux formes. Non, mais si en plus, il faut les séparer. Non? Et à quel moment ça te le dit, ça, que tu peux les... C'est contre-intuitif, bordel! Tu passes ton temps à faire des trucs monobloc et d'un coup, ça doit plus être monobloc. Je suis désolé, c'est... Non! sais pas, je sais pas. Je sais pas pourquoi je bloque particulièrement sur celui-là, mais je trouve que celui-là, il est mal foutu. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que... Je sais pas pourquoi, je sais pas. Lui, il me bloque. C'est tout. Celui-là, il me bloque. Alors. Quelque chose comme ça. T'as bien fait d'autres énigmes où tu suivais les ombres puis tu devais suivre la lumière. Oui.
Oui, mais je te dis, c'est ça qui est terrible avec avec mon cerveau, c'est qu'il y a des choses qui vont lui paraître terriblement évidentes. Tu vois, genre par exemple tout à l'heure le coup du gravier, le coup du bruit du gravier, ça a fait tilt direct. Va savoir pourquoi. Et il y en a d'autres comme celle-là où c'est je sais pas pourquoi d'un coup ça va pas vouloir. C'est terrible, hein. Je saurais pas l'expliquer, mais il y a des trucs comme ça, des fois, mon cerveau, il veut pas. Donc là, du coup, ça veut dire qu'il y a ça, un. Attends. 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 Hop. Et là, ça fait. Ça fait. Je crois. Attends, je jure de rien, mais je crois que je commence à comprendre le truc. Peut-être. C'est pas sûr du tout. Mais il y a un début de quelque chose. T'avais une autre solution, mais ça fonctionne aussi. Là, ok, ça va, parce que là, si on assemble tout, ça fait un carré fermé. Là, oh, attends. Attends. Faut que j'arrive à me le représenter. Faut que j'arrive à me le représenter, c'est tout. Chut. T'avais oublié les diagonales. Et le mec galérait déjà sur de l'horizontal et du vertical. Et maintenant il y a de. Et maintenant il y a. Mais chut, me dites pas. Ah, Arte aussi me spoil. Attends. Là, comme ça. Non, c'était pas ça. Goban Arteos. Mais non, faut pas le bannir. Il est sympa, Arteos, il est cool. Alors, attends. Ah non. Ça. Là. Voilà, c'est bon. Ok. Il sera réellement bloqué, frère. Non, mais... Alors. Emote only, Alors. Là, il y en a deux et tout. C'est terrible, hein. C'est terrible, mais on va y arriver. Là, imagine. Attends, ceux-là, imagine si je les collais. Ça ferait un carré. Attends. Remorqueos, t'as pas débloqué la porte du raccourci. Quoi? La porte du raccourci? Non. Non, je sais pas de quoi tu me parles.
Unimote Meluche. Ah, attends, attends, attends. Non, ouais, non, bah non, c'est pas grave. On verra ça plus tard. On verra ça une autre fois. Plus les motifs sont complexes, plus c'est facile. Ah bah putain. Ça va pas être un truc comme ça. Stop. Ils sont plus simples. Attends, 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 attends. Mais déjà les trucs les plus simples, j'ai pas capté comment ça faisait. Donc alors, attends, 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 attends. Lui, j'ai réussi. C'est bon. Lui, j'ai capté. Si on les assemble. Attends, faut que j'arrive juste à me représenter la forme dans ma tête. C'est tout. C'est tout. Je vais y arriver, je vous dis. Je vais finir par y arriver. Ne vous en faites pas. En plus, les trucs peuvent être. Les trucs peuvent être séparés, putain. C'est terrible! C'est terrible! Ça veut pas, ça bloque! Ah. Aïe 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 aïe! Aïe 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 aïe! Putain! Putain! attends, 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 attends. On en a un qui fait un coude. Attends, ces deux-là, si jamais je les bloquais, ça ferait un carré. Imagine, ça ferait un carré. J'ai encore 20 minutes. Oh, t'inquiète, ça va aller. Attends. Eh ben. Ces deux séparés. Ah oh, putain, mais sérieux quoi. Oh la vache. Oh là 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 là. Ces deux séparés. Additionne toutes les formes dans un carré de 4 x 4. Hein? Quoi? Et noircit les cases. Là 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 là, putain, attends, attends, ça va. Attends, 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 attends. Je vais y arriver. Il faut que j'arrive à comprendre, putain. Il faut que j'arrive à comprendre, c'est terrible. Attends. Je sais, j'arrête pas de vous dire d'attendre. Vous faites ça que depuis le début. Ah! Ouais, non, mais c'est mais ça. Bah, je l'ai déjà fait en plus. Mais je sais pas pourquoi sur celui-là, je bloque de ouf! Je bloque, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi lui, ça veut pas. C'est ça qui est horrible. Je sais pas pourquoi je bloque comme ça.
Je pense que je vais résoudre celui-là et je vais m'arrêter parce que ça sert plus à rien après, tu vois. Ah, attends, attends, attends. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop. Ah, on a ça. Tac. Hop, imagine. Bah non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Et tu les remplissais, mais attends, tac. Tac. Non, 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 c'est pas comme ça. Ah la vache. Putain, c'est dur, hein. Oh là là, c'est dur, hein. Oh, aïe, 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 aïe. Punaise, on a... Alors, attends, 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 attends. Un, deux, trois. Les deux séparés, là, ils me perturbent aussi. Me perturbent. Ça veut pas, hein. Ça veut pas. Non, ce puzzle-là, le truc de Tetris, là. Ouais, non, mais ça, ok, ça, j'ai compris qu'il fallait mettre un truc entre les deux, mais... Mais putain! Attends, en plus ils peuvent être séparés les machins, quoi. Tu vois, c'est ça le truc. Vas-y, je m'en fous, je fais nawak. Allez, boum! Non, c'est pas ça, monsieur. Ah, zut! Non, non, je veux pas la réponse. Non, je veux comprendre. Je veux comprendre. C'est terrible. Parce que si je comprends pas, après, je suis bloqué pour le reste du jeu. C'est ça qui est chiant. Je l'aurais pas. Oh, 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 l'autre, comment il me fait pas confiance. Oh, ah oh là là, Arteos, tu me déçois. Tu me déçois, Arteos. Tu me déçois beaucoup. Attends, 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 attends. Imagine là, attends, là j'ai 3. Là j'ai 2. Non, bah non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être un truc comme ça. Attends. Non, bah non. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait, hein, mais parce que... Imagine. Imagine, là, ça fait 1 de 2 comme ça. Parce que imagine, là, attends.
Parce que l'idée que j'avais, en fait, l'idée que j'avais, c'était que genre celui-là, en fait, il allait là, comme ça, là. Ok? Là, le celui de 3. Le machin qui fait 2 de haut à chaque fois, tu vois, j'avais l'idée d'en mettre un là comme ça, imaginons, et un autre là comme ça. Et du coup, de mettre le truc de 3 qui faisait ça, là, tu vois, ce qui donnait une forme un peu chelou, comme ça, mais ça marche pas. Tu vois? Mais pour moi, dans ma tête, ça remplit. Ça remplit le truc. C'est ça qui est chiant, tu vois? Rempli sur A en respectant la distance de celui qui a deux formes. Parce que tu vois, regarde. Trois trucs verticaux, faut les mettre en bas à gauche. Quoi? Parce que... Ils sont séparés de 1 ou de 2 carrés, ceux-là? C'est une séparation de 1 ou de 2? J'ai l'impression que c'est une séparation de 2, en fait. Putain de 2. Ok. Ok. C'est pour ça. Ok. Alors, sachant ça maintenant. Sachant ça. Putain, ça change tout. Ouais, ça change beaucoup de choses. Ouais. Attends. Me dis pas, s'il te plaît, Arthéos. Ne dis rien. Hop. Parce que imagine eux. Attends. Non, bah non. Non, 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 non. Oh la vache. C'est dur. Ah non, mais c'est jeu. Puis, ah, je le vis mal. C'est pour ça, je veux juste résoudre celui-là. Et m'arrêter. Bah, enfin, le truc, c'est que je le vois, le carré, là, le 4x4, mais c'est pareil. Enfin, si je le visualise pas avec le truc sous mes yeux là, je le visualiserai pas forcément mieux en le dessinant, quoi. Parce que les trucs peuvent être séparés en deux. Mais. Quelle pièce je...
Je sais pas, c'est ça le truc, c'est que je sais pas lesquelles places. Je le comprends pas ce puzzle, c'est tout. Je le comprends pas. Je ne comprends pas le fonctionnement de ce puzzle. Mon cerveau ne veut pas le comprendre. Et je pense que vous pourrez me l'expliquer autant de fois que vous voudrez. Là, aujourd'hui, c'est foutu. Faut mettre les carrés séparés au milieu. Mais non, si je les colle, ça marche pas. Il faut respecter leur séparation. C'est ça le truc. On me dit qu'il faut respecter leur séparation à ces deux-là. Donc je peux pas les coller au milieu, c'est pas possible. Ouais, probablement que tu peux poster un lien. Mais putain, je... Oh! Ça veut pas, quoi. Et j'arrive pas à me représenter dans quel sens il faut qu'ils soient. S'il faut qu'ils soient verticaux, s'il faut qu'ils soient horizontaux. Oh! Je vais les mettre au centre. Ouais, d'accord, pourquoi pas, hein? Non, j'arrive pas à voir, j'arrive pas à me le représenter, ça ne veut pas. Et celui qui est mis sur le dessin, putain. Alors en plus, un coup c'est pas dans le sens, un coup c'est dans l'autre. Ah, tu peux pas mettre de lien? Ah, peut-être c'est que les modos. C'est horrible. C'est horrible. Je ne le vois pas. Je ne le comprends pas, celui-là. La pièce de 3 est au milieu. Je sais pas, j'essaie. Non, c'est pas ça. Hop. Attends, on va regarder. Oh la vache. Ok. Ok, d'accord. Merde. Ouais, si, j'ai vu. Attends. Faut que je le rouvre parce que je vois que dalle. Attends, fais voir, du coup. Là, comme ça. Ok. Ouais, alors je pense que ce genre de puzzle, ils vont être très compliqués. Ça va être très très dur pour la suite. J'ai vu, ouais, ce que ça représentait, ouais. J'ai vu. Coucou Ogre. Du coup, je vais couper la VOD ici. Hein, voilà, je vais m'arrêter. Parce que la suite, à mon avis, ça va être bien vénère. Donc on verra. On verra, on verra. On verra, on verra. Donc, du coup, fin de VOD. Donc, à vous qui regardez dans le turfu, merci de l'avoir suivi. Je ne sais pas si ça vous aura plu de me voir galérer. Ça promet pour la suite. Donc voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Confine Équipe. Vous avez vu l'overlay échanger. C'était un stream Confine Équipe. Donc, je vous mets tous les liens dans la description pour voir ce que c'est. Et faut pas hésiter à venir nous voir. On stream pendant tout le confinement. Et c'est cool. Donc, viendez sur la Confine Équipe. Voilà. À bientôt pour une prochaine VOD, hein? Ouais, on fait ça? On fait ça. Allez, ciao!